Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle aujourd vidéo aujourd'hui sur le UI Flow de Pure Automate, hein, le RPA, le Robotic Process Automation. Donc, nouvelle fonctionnalité de Pure Automate, voilà, qui a quelques mois maintenant à peine, hein, on va dire depuis début 2020. En plus, je pense que vous avez peut-être pu voir au MBAS 2020, hein, le Business Application Summit, hein, en mois de mai. Ils ont encore annoncé qu'ils avaient, ou à la Build, je ne sais plus, enfin l'une des deux conférences au mois de mai, ils ont annoncé qu'ils avaient racheté une nouvelle société qui s'appelait Sofmotic, je crois, sauf de Win Automation, leur produit en tout cas. Donc vraiment maintenant, Microsoft voilà, essaie vraiment de promouvoir énormément la partie robotique, Robotic Process Automation. Et donc, le UI Flow, bah, je vais vous montrer justement avec des cas concrets de comment et à quoi ça sert, voilà, dans des cas que moi j'utilise au quotidien, justement. Donc, voilà, j'espère que ça vous donnera peut-être des idées, même si ça, voilà, même si moi mes démos s'inscrivent dans mon contexte à moi personnel, sur des projets que je fais tous les jours. Voilà, peut-être que vous vous direz, ah, bah cool, moi, je vais essayer de transposer ça dans un autre contexte et voilà, ça pourra m'aider grandement. Donc, pourquoi il y a cette nouvelle fonctionnalité de RPA, de Robotic Process Automation? C'est parce que il y a deux fonctionnalités d'ailleurs dans ce RPA. C'est vous avez la partie web, vous pouvez enregistrer en fait un flux de pas à pas et l'envoyer au robot pour qu'il simule en fait ce que vous faites sur un site internet. Même ça gère l'authentification, hein, il n'y a pas de souci. Si vous avez un site avec l'authentif, voilà, vous pouvez enregistrer tout le process, même avec l'authentification au démarrage et après faire tout ce que vous faisiez sur votre site internet. Et aussi la partie desktop app, hein, donc des applications lourdes que vous aurez installées sur des machines virtuelles et que vous, ou même sur des vieilles machines AS400 ou autres, et vous voulez vraiment automatiser le lancement d'une application lourde avec d'abord je clique là, après je vais là, après je génère un rapport SSRS et voilà. Donc ça, on peut l'automatiser ce process-là. Et pourquoi ils ont fait ça, Microsoft? C'est parce que si vous allez sur le site de pour Automate, hein, enfin la documentation pour plateforme, vous avez ici en fait les 300 connecteurs à peu près, un peu plus de 300 je crois maintenant même, au jour d'aujourd'hui, 300 connecteurs qui sont actuellement accessibles, hein, donc des versions online ou même on-premise, hein, soit l'un soit l'autre ou les deux, sur des services Microsoft et autres, hein, parce que vous voyez, on peut même appeler du Adobe, du Adobe ou d'autres services non Microsoft. Et donc là, en fait, quand vous n'aviez pas votre connecteur, hein, dans cette liste-là, vous disiez, ah ben, je peux me faire un custom connecteur, c'est-à-dire je peux me faire un connecteur custom de base qui n'est pas dans cette liste, parce que j'ai une API, un web service qui est déjà documenté, sur lequel je peux me connecter, j'ai mon petit swagger, mon fichier qui décrit en fait mon web service, je l'importe dans Power Platform, et après je distribue ce custom connecteur à tous mes business users pour qu'ils puissent après faire leur propre flux avec ce connecteur sans coder. Donc ça c'est possible, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, je pense, des applications style IKEA, parce que je peux en parler puisque c'est quelque chose qui est public, hein, mais IKEA utilise justement UI Flow, parce que IKEA, en fait, quand vous commandez une cuisine chez eux ils ont les vendeurs, une application lourde installée sur leur PC qui va en fait permettre de faire la commande de la co avec tous les parties, tous les composants, hein, qui va permettre de construire votre cuisine. Et bah, en fait, il n'y a pas de web service difficilement connectable. Donc en fait, ils ont utilisé UI Flow, ils ont enregistré en fait toutes les étapes clés qui sont importantes quand vous faites la commande sur leur ordinateur. Je crois que derrière, même c'est géré avec la S400, donc vous voyez des vieilles applications. Et ils ont automatisé ça avec UI Flow parce qu'il n'y avait pas d'API, de connecteur, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un cas d'une grosse entreprise qui l'utilise, vous voyez. Moi, dans mon cas, je vais vous montrer deux démos qui sont liées encore une fois avec Finance Operation, hein, de l'ERP, hein, de 1965, où justement j'avais des cas concrets où le client me demandait, bah tiens, ce truc-là, j'aimerais bien l'avoir automatiquement par mail. Et là, je m'étais dit, oh, mais par contre, en standard, c'est pas possible, même avec le connecteur standard Finance Operation de 1965 dans la Power Platform. Donc je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas utiliser UI Flow. De même, je pense, j'avais. Donc, je vous invite à revoir ma vidéo, je mettrai peut-être dans le lien là, de la vidéo, mais j'avais fait une autre vidéo, hein, sur l'outil de test de régression automatique, hein, le RSAT, Regression Suite Automation Tool. Mais ça, c'est une petite application qu'il faut installer sur un ordinateur, quoi. Et moi, je ne me voyais pas, par exemple, tous les jours, je relis mon code sur des environnements de test, je veux rebalayer tous mes tests automatiques, mais je n'ai pas envie de me connecter à 3 heures du matin, lancer l'application desktop, là, RSAT, et demander à me lancer tous les flux, quoi. De non-régression, de tests de non-régression. Donc là, pareil, je m'étais dit, bah, pourquoi pas faire un UI Flow pour automatiser tout ça. Donc c'est ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous montrer tout simplement de comment je l'ai fait, quoi. Mais donc, ouais, la documentation des connecteurs, je vous le remettrai.
Important aussi, je vous mettrai un lien, en fait, tout simplement, de la partie documentation Microsoft sur le UI Flow, hein, le RPA. Donc, il y a une petite intro assez sympa, Microsoft, bon, un peu marketing, mais voilà, qui va vous réexpliquer justement qu'est-ce que le UI Flow, en fait, finalement. Il y a la partie très importante, en fait, setup. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme licence, quand vous faites un enregistrement de UI Flow pour une application Windows 10, qu'est-ce qui est supporté? Vous voyez la version de Windows supportée, le navigateur quand c'est du web, quelle version de Edge et de Chrome, voilà. Il vous explique aussi qu'est-ce qu'il faut installer, le petit utilitaire, hein, UI Flow on your device. Donc ça, c'est ce qui est le petit enregistreur, hein, le recorder qu'il faut mettre sur votre PC qui va permettre d'enregistrer le flux, le UI Flow. Il y a un driver Selenium. Ça, c'est quand vous faites la partie web. Hein, donc c'est une petite extension Google Chrome, hein, qui va permettre d'enregistrer, voilà, votre différents flux. Et le On-Premise Data Gateway. Ça, c'est très important, c'est que avant de passer dans le concret, clairement, ce que je vous recommande en bonne pratique, c'est tout simplement vos UI Flow. Il faut qu'ils tournent tout le temps sur une machine, bien sûr, qui est pas la vôtre, en fait, hein, qui est pas votre PC. Vous n'allez pas laisser votre PC démarrer tout le temps pour automettre lancer un UI Flow sur votre PC à 3 heures du matin. Donc, créez une petite machine virtuelle ou utilisez une que vous avez déjà dans votre paquet informatique. Hein. Une petite machine virtuelle. Moi-même, c'est ce que j'ai fait. Je me suis créé une petite machine virtuelle dans Azure avec vraiment un cœur, un giga de RAM, le truc qui coûte le moins cher possible. Pour lancer des UI Flow web, hein, ça suffit largement. Il faut juste un navigateur web, hein, Chrome, voilà. Que je peux même démarrer d'ailleurs à la volée, hein, parce que dans mon flux pour automate, je vais vous montrer, on a un connecteur en fait dans Azure pour démarrer et arrêter la machine à la volée, ce qui permet encore de réduire les coûts. Mais clairement, c'est voilà, une machine virtuelle qui est dédiée à ça, qui fait que ça, qui me lance mes UI Flow et voilà. Donc voilà, installez une machine virtuelle, mettez le On-Premise Data Gateway dessus pour Automate puisse discuter avec cette petite machine virtuelle. Et en fait, pour Automate, après, va lancer les UI Flow sur cette même machine virtuelle. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme use case, moi? Donc, moi, je vous ai fait un petit use case sur Finance Operation, comme je disais au préalable. Donc là, j'avais fait d'abord, je vais vous montrer comment j'avais fait un UI Flow for Web, donc interface web. Google Chrome. Donc moi, en fait, mon client me disait, bah, tiens, toutes les semaines, le lundi, j'aimerais bien avoir ma petite balance AG cliente. Donc il y a un rapport SSRS dans le RP, mais j'ai deux paramètres d'entrée qui sont dynamiques et il faudrait vraiment que toutes les semaines, quand le flux se lance de manière automatique, bah, le matin, j'arrive le lundi matin, j'ai mon petit mail avec ma petite balance AG en PDF ou en Excel, peu importe, et j'ai pas eu d'action à faire, quoi. Donc en fait, je m'étais dit, bah, pourquoi pas, mais après, j'ai essayé de voir qu'en fait, tout simplement, que le problème, c'est que on peut faire des batchs dans le RP qui permettent de scheduler, de générer des rapports SSRS. Ça, on peut le faire. Par contre, le gros problème, c'est quand il y a des paramètres d'entrée qui sont un peu dynamiques, avec des dates dynamiques. Et clairement, c'est le cas pour cette fameuse balance AG client, où on me demande limite une date de début, date de fin, en gros, si je résume rapidement. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire un UI Flow for Web, hein. Tout simplement, je lance le navigateur, pas à pas, j'enregistre de comment je génère le rapport SSRS. Même en fait, dans mon UI Flow for Web, vous verrez, j'ai pu mettre des paramètres d'entrée qui sont dynamiques, hein, des variables en fait, donc c'est les fameux dates de début, date de fin, qui vont vraiment être recalculées à chaque fois que je relance mon UI Flow for Web. Donc ça, c'est vraiment cool, hein, c'est que globalement, sur pas mal de cas qui sont pas dans. Voilà. Parce que voilà, à chaque fois, il y a un connecteur en hein, Dynamics 365 Finance Operation hein, dans le Power Platform, je peux faire des batchs, je peux faire du code. Donc voilà, il y a des façons de. Il y aurait une façon autre de faire ça, mais il aurait fallu coder, quoi, globalement. Et là, j'ai pas envie de coder. Donc ça me va très bien. Et clairement, vous allez voir enfin, faire l'enregistrement dans UI Flow, et clairement, ça prend. Voilà, dans ce cas-là, l'étape pour générer un rapport SSRS, elle prend pas très longue. Donc je vais vous montrer que voilà, on peut vraiment faire. Des choses simples. Donc, comment ça marche? Donc, j'ai créé. Donc, si vous faites nouveau, en fait, premier truc qu'il vous demande, justement, qu'est-ce que vous voulez comme UI Flow, desktop ou web app. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas enregistrer un UI Flow qui soit à la fois du desktop et du web. Mais par contre, on peut en faire deux séparés, hein, du desktop, du web, et puis lancer à la chaîne plusieurs UI Flow, en fait, hein. Donc, en fait, quand je choisis ça, la première chose qu'il me demande, voilà, ça va être de mettre évidemment un nom et la base URL. Donc là, ça va être l'URL de votre site web. Donc vous faites ça, vous faites nouveau, vous faites Launch Recorder. Et là, en fait, de toute façon, si vous ne l'avez pas installé, mais c'était comme j'avais dit, c'est écrit dans la doc, hein, comment faire le setup là en haut, hein, il va vous installer, en fait, lancer ce qu'ils appellent le Selenium, qui est le petit utilitaire d'extension Google Chrome qui va permettre d'enregistrer votre flux web.
Et donc, moi, je vais vous montrer que, bah, après, une fois que je l'avais enregistré, je peux vous montrer comment ça se passe, hein. Donc là, donc comme j'avais dit, en fait, quand vous faites votre UI Flow, si j'en fais un rapide aussi, un nouveau, là, comment je vous montre comment marche l'enregistreur, hein. Vous faites nouveau, comme je disais, non. Donc là, je suis sur ma machine virtuelle, hein, comme j'avais dit, hein, qui me permet d'exécuter tous mes UI Flow. Là, je fais un web, je sais pas, je l'appelle test. Donc là, je mets par exemple l'URL de mon blog, hein, peu importe. Voilà, et là, vous voyez, je fais Launch Recorder. Et donc là, il me lance le petit Selenium IDE, donc le petit utilitaire qui va me permettre d'enregistrer. Donc, premier point important, évidemment, c'est de faire REC et après de lancer le flux. Donc, vous faites REC. Vous voyez, là, il me lance tout de suite la base URL que j'ai mis. Vous voyez, il me fait Selenium IDE is recording. Donc là, il est déjà en train d'enregistrer. Si je fais, voilà, je vais dans la page à propos, hein, peu importe. Et dès que j'ai fini, je clique là, j'arrête l'enregistrement, je clique sur la petite disquette. Et voilà, là, le UI Flow est terminé. Et après, une fois que mon UI Flow est terminé, là, je fais un flow standard comme on fait d'habitude, où je vais appeler mon UI Flow pour déclencher ça. Donc, par exemple, justement, si j'en fais un nouveau, que je fais de type instant, hein, donc instantané. Donc là, ça va être un truc manuel. Hein. Je vais déclencher le trigger du flux. Ça va être lance-moi ça manuellement. Je vais l'appeler blog. Je fais create. Voilà, donc new step. Là, j'appelle mon UI flow. UI flow. Donc là, le premier, vous voyez, me demande justement si c'est UI flow web ou desktop. Vous voyez bien que c'est quelque chose quand même complètement séparé. Hein. Moi, c'est du web que je viens de faire. Je prends celui que j'ai fait, test, hein, juste avant. Donc là, il me demande Google Chrome ou Edge. Hein, c'est les deux navigateurs supportés actuellement. Et je lui demande de le faire quand quelqu'un est actuellement connecté sur la machine. Et je fais save. Et si tout va bien. Ouais, normalement, j'ai sauvegardé. Donc vas-y. Hop. Là, je fais run. Hop. Voilà. Donc là, normalement, il est censé me lancer mon flux qui appelle après le UI Flow Web et qui va, je crois, comme j'avais dit, ouais, juste. Donc là, vous voyez, je ne touche à rien, mais il me lance vraiment le UI Flow Web. Hein. Là, je crois que ça allait juste dans About en haut, il me semble. Hop. Tout va bien. Ouf. Et donc voilà, et là, il me le lance. Et globalement, voilà, après, donc, il me fait tout ça. Et donc, ça, c'était un petit test. Donc, ce que je peux vous montrer, par contre, important, dans le UI Flow, ici, si je fais Edit, vous voyez, après chaque étape, là, je peux quand même enregistrer. Voilà. Et c'est ici, en fait, que, par exemple, si la value, là, vous voyez, il m'a mis, par exemple, la Windows Size de Windows Size, donc la taille du navigateur, c'est telle résolution. Si je voulais tout simplement que ça soit autre chose. Ici, en fait, dans value, c'est là que je peux mettre des variables. Donc, les variables, justement, c'est expliqué ici dans le fameux doc Microsoft. Hein, vous voyez, use input and output in web UI flow. Là, il vous explique, hein, il faut mettre en gros ici des dollars crochets. Vous voyez ici, là, value, search, key enter. Donc là, par exemple, type search. Donc là, par exemple, ils avaient fait un flux qui était un UI flow for web qui était d'aller sur Google Chrome pour taper une recherche. Cette recherche, si je voulais qu'elle soit dynamique, bah voilà, vous voyez, je mettais ça dans une variable et après, c'est ce qui me sera demandé dans mon flux. Voilà, que dire d'autre? Donc ça, c'était. Tac. Donc ça, c'était un petit rapide. Voilà, je vous montre rapidement comment ça fonctionne en fait, en tout cas, le UI Flow for Web. Donc même le Selenium, hein, comment le modifier. À chaque fois que vous faites des modifs, vous cliquez sur la disquette, ça rafraîchit le UI Flow pour Automate. Sans coder. Voilà, très important, comme d'habitude. Donc, j'ai fait mon petit. J'avais déjà fait mon UI Flow for Web, donc j'ai enregistré. Hein. Donc, première bonne pratique, bien sûr, comme j'avais dit. J'ai enregistré mon UI Flow sur ma machine virtuelle qui va après, lui, exécuter le UI Flow. Et première étape très importante, c'est que surtout, il ne faut pas être connecté à la base, à l'ERP. Parce qu'après, l'UI Flow, il va être lancé depuis le robot. Et lui, première étape, c'est qu'il va essayer de se connecter. Enfin, il va arriver sur la page d'authentification. Donc, si vous avez fait New, là, vous avez fait Web App, vous avez fait Next, vous avez mis l'URL de votre Finance Operation, votre environnement de Dynamics, et puis qu'après, vous avez fait Launch Recorder, et qu'à ce moment-là, vous étiez déjà connecté sur l'ERP,
En fait, du coup, bah, il va pas enregistrer l'étape d'authentification. Donc, c'est important de. Ah, le robot, tout ce que vous lui faites, tout ce que vous faites doit vraiment être enregistré, quoi. Donc, faut bien penser à se déconnecter à la base, là, de l'ERP en tout cas. Et après, vous faites lancer le record et vous enregistrez même l'étape d'authentification, login, password. Hop, je suis connecté. Et après, bah, je vais dans le RP, je vais dans le module, je clique là, je mets mes deux paramètres d'entrée. Donc à la base, quand vous lancez l'enregistrement sur des variables que vous voulez qu'ils soient dynamiques, bien sûr, moi à la base, quand j'avais lancé l'enregistrement, j'avais mis date de début 1er juin, date de fin 8 juin. Et par contre, après, une fois que je l'ai enregistré, comme je vous l'avais montré en fait ici, après, une fois que j'ai enregistré, je peux le remodifier pour que après, voilà, les values qui étaient mes deux dates que j'avais mis en dur à la main dans mon enregistrement, après, je remplace ça par une variable. Et après, dans mon flux qui va appeler mon UI flow, c'est là que du coup je lui dis, bah là vous voyez, vous allez voir, donc là j'ai fait un. Parce que le UI flow c'est juste l'enregistrement de votre process. Après, il faut utiliser un flux standard pour automate pour l'appeler, comme je vais vous faire en fait au préalable sur mon blog. Vous voyez, là j'ai un truc, c'est bon, là c'est manuel, mais là par exemple, normalement pour mon client, ça serait bah, tourne une fois par semaine, hein, le lundi matin. Et après, j'ai deux dates qui sont les fameuses deux dates qui sont un peu dynamiques, qui doivent être des champs calculés, quoi. Et que je vais passer après à mon UI flow. Parce que le UI flow, voilà, vous voyez, j'avais bien fait le fameux dollar crochet, j'avais dit que c'était deux variables que j'attendais. Et du coup, là, je vais les placer, voilà, les envoyer automatiquement. Donc là, on est le 8 juin, bien sûr que la date actuelle, c'est UTC Now, c'est 8 juin, et j'enlève 7 jours. Et donc, par exemple, si demain mon UI flow tournait, on serait le 9, il me mettrait 9, et là, 2 juin, 7 jours en moins, quoi. Et donc là, je suis sûr qu'à chaque fois, mon UI Flow for Web, quand il tournera une fois tous les jours ou une fois par semaine, chaque fois, mes paramètres d'entrée des dates de mon rapport SSRS seront toujours bons, quoi. Sont bien dynamiques, quoi, tout simplement. Je le mets bien au format DD slash MM slash YY, comme ce qu'il attend en fait dans le RP. Et donc si je fais, bah, si je vais lancer tout simplement, comme ça vous allez voir ce qui se passe, je fais Run. Là, parce que là, j'ai pas de déclencheur, quoi. C'est un truc à la volée, à la demande. Mais bien sûr que là, je pourrais utiliser même les triggers, hein, les déclencheurs des autres connecteurs. Dès que je reçois un mail, alors je lance mon UI Flow for Web. Enfin bref, là, on peut imaginer plein de cas. Vous voyez, donc là, je ne touche à rien, bien sûr, comme d'hab. Donc là, il arrive bien sur la page d'authentification parce que dans le moment où j'ai enregistré mon UI Flow, j'avais bien pris en compte cette étape-là, qui était bien sûr que. Parce que là, vous voyez, là, ce Chrome est contrôlé par un logiciel de test automatisé. Donc là, c'est vraiment une nouvelle session utilisateur. Donc c'est important. Donc forcément qu'à la base, il n'est pas connecté, l'utilisateur. Bonne pratique, bien sûr, il ne faut pas que ce soit un compte avec le multi-factor authentification, hein, le fameux double authentificateur. Là, il faut vraiment que ce soit un compte qui n'ait pas besoin d'avoir une application. Enfin, vous voyez, la double authentification, hein, comme je disais. Donc là, vous voyez, il me lance le RP, je ne touche à rien. Il va aller dans le module. Et dans le menu item qui permet de lancer le rapport SSRS, le fameux Customer Aging Report, hein, donc la balance âgée cliente. Et vous voyez, il y a les fameux deux paramètres d'entrée, Aging As Of, Balance As Of. Donc c'est les fameuses deux variables que je passe dans mon flux pour Automate qui sont dynamiques et que je n'ai pas besoin de coder quelque chose dans le RP pour que ça soit vraiment, oui, vraiment dynamique, quoi. Et donc après, il va me lancer le rapport SSRS. Sans action de ma part. Et la sortie de tout ça, c'était le fameux ça sort un Excel que j'envoie automatiquement par mail. Donc normalement, si tout se passe bien, ouais, je l'ai reçu. Il est là. Ouais, donc j'ai mon petit Excel avec mon RPA, donc mon robot qui m'a généré mon Excel. Et donc là, voilà, on peut imaginer plein de use case derrière des rapports SSRS, tout simplement. Donc vraiment, je précise, hein, c'est vraiment dans le cas, là, mon use case, c'est j'ai pas envie de modifier le batch, de coder quelque chose. Si c'est effectivement juste un rapport CSRS où il n'y a aucun paramètre d'entrée, compliqué, pas trop dynamique, des trucs statiques, clairement, oui, je peux paramétrer un batch qui tourne, qui va me relancer le rapport CSRS et puis m'envoyer ça, le PDF généré, me le mettre dans un SharePoint, et puis voilà, donc. Et à la rigueur, après, faire un flux qui me prend le PDF de SharePoint pour me l'envoyer par mail, à la rigueur, quoi. Mais bon, là, pour des cas de rapport SSRS où vraiment on a des paramètres d'entrée un peu compliqués, un peu dynamiques, c'est vrai que là, clairement, sans coder, le UI Flow for Web me permet vraiment de remplir ce besoin rapidement, quoi. Parce que ça m'a pris vraiment 10 minutes, hein, à enregistrer le flux. Donc, ça c'est sympa. Deuxième point, deuxième et dernier point, du coup, je vais montrer la partie desktop app, hein, desktop application. Donc, comme je le disais dans mon ancienne vidéo, dans mon blog, hein, j'avais fait un petit Automate all your test, hein,
Donc, il y a un petit outil hein, qui s'appelle, je vais vous montrer tout simplement parce que je l'ai installé sur cette machine aussi. Bah, il est là. Vous voyez, ça, c'est une petite application qu'il faut installer sur un ordinateur, qui s'appelle Regression Suite Automation Tool, hein, qui permet vraiment d'automatiser les tests de non-régression pour le RP. Sauf que oui, clairement, moi, imaginons que je voulais délivrer, relivrer le code, je ne sais pas, moi, ce qui est mon cas actuel hein, chez un client, je livre tous les jours le code à jour de l'ERP sur des environnements de test, et je veux être certain que ce que je livre, il n'y a aucune régression. Et en fait, je peux tout simplement demander à ce que. Parce que vous voyez, cette appli, il faut la lancer manuellement. Ouais, je demande de me lancer tous ces cas de non-régression, je clique sur Run, et il me lance l'outil de non-régression. Et donc en fait, il va resimuler tout le test que j'avais aussi enregistré. C'est un peu le même process que le truc web avant en fait, hein, tout simplement. Mais donc là, moi, j'avais pas envie de, à 3 h du matin, après que le code soit livré en heure de test, faut lancer cette app à la main et puis demander à ce qu'il exécute tous les flux, quoi. Donc en fait, j'ai pareil fait un petit UI flow, cette fois de type desktop, comme je l'avais dit, RSAT, voilà. Donc je vais vous montrer comment il a enregistré. Donc en fait, justement, là, en fait, il faut lancer votre UI flow. Pareil, ici, en fait, je peux demander à avoir des paramètres d'entrée et de sortie. Hein, vous voyez, input, output, à gauche. Et j'ai la partie record. Donc, le record, justement, c'est pareil, le petit utilitaire qu'il faut installer sur votre Windows pour le record, tout simplement, comment vous lancez. Là, mon cas, moi, c'est bien sûr, tu me lances l'outil de non-régression. Ensuite, tu sélectionnes, oui, tu sélectionnes l'outil. Après, il a envoyé. Donc, à chaque fois, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit screenshot qui permet de voir ce qui s'est passé, en fait, qu'est-ce qu'il a enregistré. Vous voyez, là, après, j'ai pris les quatre tests, j'ai cliqué sur Run, et puis voilà. Ça, c'est assez sympa. Donc, et après, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois qu'il est capable, mon UI Flow, de me lancer cette app automatiquement sur ma machine virtuelle et de me lancer tous mes quatre tests, à la fin, je m'attends à ce que, parce que dans ce cas-là, en fait, moi, ça me met à jour mes quatre tests dans Azure DevOps. Donc après, moi, je veux même me générer un petit mail. Donc j'avais fait un petit truc, je vais vous montrer. Voilà, RSAT. Je vais vous montrer mon petit flux. Pouf. Qui veut bien se lancer. Vous voyez, récurrence, là, c'est bon, là, une fois par mois, parce que j'ai en cours de test, mais là, ça paraît une fois tous les jours à 3 h du matin. Tu me lances le record que j'ai enregistré qui était sur mon application desktop là. Ensuite, tu rappelles Azure DevOps pour récupérer le plan de test, le résultat de tous mes plans de test. Tu me récupères le résultat en JSON et tu me envoies ça dans le cas où il y en a qui sont en erreur dans tous ces cas de test. Tu m'envoies directement dans un channel Teams tous les cas de test qu'on plantait. Voilà, donc ça me permet vraiment, vous voyez, de faire du continuous delivery, continuous deployment, mais aussi continuous test dans Finance Operation. Avec même jusqu'à notifier carrément tous les jours, tu arrives le matin, tu es connecté à Teams, pouf, tu vois tout de suite les quatre tests de non-régression qui ont pété. Donc ça, c'est plutôt cool. Sans action aucune de ma part. Voilà. Donc ça, c'est exactement ce que je recherchais. Enfin, parce que moi, je recherchais, puis mon client aussi, quoi. Donc plutôt cool. Vous voyez, donc des cas de. Et si j'avais fait mon UI flow si j'en fais un autre UI flow que je vous montre comment ça marche aussi en mode desktop, si j'en fais un nouveau, donc je fais next, je l'appelle Toto, on s'en fout. Et vous voyez, donc là il me demande si j'ai des paramètres d'entrée-sortie. Donc là il me demande sensitive text. Donc si vous vous posez la question, c'est dans le cas où par exemple je peux même aller jusqu'à lancer des applications desktop en UI flow, mais qui sont même stockées dans une machine de connexion à distance, hein, donc en remote desktop connection, hein, RDP. Voilà, le modèle RDP, Remote Desktop Protocol, donc en mode connexion TSE, comme on disait avant, le Terminal Services. Donc on peut se connecter à une machine distante. Bien sûr, il faut autoriser l'IZP hein, pour que PowerTomate puisse s'y connecter, avec notamment le fameux On-Premise Data Gateway hein, que je vous ai montré avant. Et après, on peut faire du connexion distante et lancer une app sur la machine connexion distante. Voilà. Parce que par exemple, moi, vous voyez, je me suis fait une petite machine virtuelle parce que je suis capable d'installer des petites apps par-ci par-là ou lancer des UI Flow for Web. Mais si par exemple, comme j'avais dit, j'avais expliqué que IKEA avait évidemment des clients lourds installés sur leur propre parc informatique, bien sûr que vous n'allez pas pouvoir vous l'installer cette même appli dans le cloud, je ne sais où, et l'utiliser dans un UI Flow for Web. Donc on peut très bien. Lancer des UI Flow qui se connectent, ou même si vous faites du client lourd AX2009, AX2012,
Vous avez vos machines virtuelles dans un parc informatique à vous, on-premise. Vous installez le on-premise data gateway. Vous lancez votre enregistreur dans le client lourd XMI12. Voilà, je sais pas comment je crée une commande, j'en sais rien. Vous l'enregistrez et après, vous gérez la partie on-premise data gateway pour que le Power Automate puisse lancer le UI Flow sur votre propre parc informatique. Voilà. Et donc là, vous voyez, quand je fais nouveau, là, il me fait une demande de launch recorder. Donc là, il me lance vraiment le petit utilitaire qu'il faut installer. Hein. Donc pareil, je l'avais expliqué, c'est dans la doc, hein, le petit utilitaire installé. Donc là, ça y est, maintenant, il enregistre vraiment exactement ce qu'il a besoin. Donc je sais pas, moi, par exemple, si c'était, par exemple, ouvrir un fichier Excel, lancer un cas de test, et puis voilà, j'arrête là, tout simplement, le flux. Hein. Hop. Je fais terminer. Et donc là, normalement, vous voyez, il a lancé un fichier Excel. Pouf, il a pris le premier de la liste et puis après je pense que je clôture le fichier quoi. Donc là vous voyez j'ai pu faire mon petit enregistrement. Ce qui est cool c'est qu'une fois que j'ai fini, donc là il n'y a pas d'output, pas d'input, mais je pouvais en créer aussi bien sûr. Parce que par exemple je sais pas, je voulais lancer un fichier Excel. À la rigueur même je pourrais même faire lancer le lancement d'une macro Excel parce que ça typiquement dans un flux Power Automate c'est juste incapable de le faire. On peut, il y a un connecteur pour Automate hein, vers Excel. Par contre, si vraiment il y a des macros qui calculent quelque chose dans l'Excel, ça on ne peut pas le faire. Par contre, quand on est en mode graphique standard sur un Windows 10, on peut lancer le Excel, lancer la macro. En output, ça me génère des choses que je peux après sortir de UI Flow pour l'utiliser dans un flux pour Automate. Vous voyez, on peut plein de choses comme ça en fait. Clairement, il y a plein de trucs. Vous n'avez pas la possibilité de le faire, en fait, clairement, avec le UI Flow, ça vous laisse la possibilité de le faire. Et là, par exemple, si je fais test now, là, il me lance vraiment, ça me permet de vérifier, en fait, si est-ce que c'est capable de bien fonctionner, quoi. Donc là, il me lance normalement le rapport Excel, je pense. Enfin, mon petit Excel. Vous voyez, là, il lançait l'Excel. Et après, je crois qu'il me le fermait, tout simplement. Bon, pas grand-chose. Voilà. Et à la fin, il vous dit tout simplement si c'est bon. Et là, vous faites save and exist. Et ça, si là, il a fonctionné que dans ce modèle-là, vous faites save and exist. Et après, bah là, voilà. Donc là, par exemple, si je fais ça, hein, si vraiment je vais jusqu'au bout avec vous, hop. Donc là, j'avais fait le UI Flow pour le blog. Du coup, là, je vais le supprimer, puisque là, maintenant, je vais mettre le UI Flow desktop. Hein, remote desktop. Non, UI Flow, hop, for desktop, hop, je crois que j'avais, oui, c'était Toto, c'est ça, pouf, il me semble, je crois que c'était Toto, non, je sais même plus comment je l'avais appelé, on va bien voir, hop, bah là, je vais pouvoir le lancer, normalement, run, done. Donc, ouais, vous voyez, hop, le Excel, c'est en train de se lancer. Donc, je ne touche à rien toujours. Et normalement, voilà, vous voyez, là, il est capable de vraiment me lancer l'apps. Pouf, là, je ne touche toujours à rien. Et là, il va fermer, je pense, l'Excel de mémoire. Et voilà, pouf. Et donc, voilà, comme je disais, dans le UI Flow Desktop aussi, comme pour le web, on peut faire des permets d'entrée et de sortie. Donc, ce qui rend les choses un peu plus dynamiques. Et c'est pas juste j'exécute une app sans même récolter des choses derrière quoi, globalement. Pouf, voilà, succès lead. Donc ouais, voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bah, j'espère que ça vous aidera en fait à voir un peu plus clair hein, sur le UI Flow. Mais globalement, vraiment, il y a plein de cas possibles inimaginables hein, d'applications qu'on peut enregistrer en fait. Et puis. Voilà, pouvoir automatiser des process qui étaient compliqués à automatiser, même avec la Power Platform, malgré tous les 300 connecteurs qu'il y a. Il y avait encore des applications, moi je pense même à des clients hein, dans le secteur de la santé ou des choses comme ça, qui ont encore des applications, des terminaux un peu voilà, enfin, anciens, entre guillemets, hein, même les assurances, les banques ou autres, des trucs un peu plus voilà, qui tournent bien, donc ils n'ont pas envie de remplacer leur vieux système, mais ça tombe bien, il n'y a pas d'API, mais par contre. C'est encore du coup beaucoup d'actions manuelles. On peut plugger la Power Platform avec des UI Flow pour essayer au moins quand même d'automatiser des choses. Et en plus, on peut vraiment faire des UI Flow qui sont déclenchés via les déclencheurs des autres connecteurs.
Donc, dès que je reçois un mail de manière importante dans Outlook, alors je déclenche un UI Flow web ou desktop pour faire quelque chose d'autre. Donc voilà, on peut faire des deux combinés, donc c'est ça qui est cool. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Et puis bah, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye bye.